Bon, il fait de plus en plus chaud, là on atteint les 30 degrés à l'ombre. Ça commence à être un petit peu difficile. Avec un revolver un petit peu spécial, c'est commercialisé par Humbert, sous la marque Humbert, et c'est un modèle qui s'appelle Sevgom. C'est un barillet en alliage non ferreux également, avec quand même un canon en acier, un canon lisse. Et il a cette particularité d'avoir des barillets interchangeables, enfin des barillets jetables plus exactement. Chaque barillet est chargé de six projectiles à balles caoutchouc avec six amorces. Le barillet est en polymère. Il est livré avec deux barillets préchargés, donc. Il suffit donc d'introduire le barillet et de refermer l'arme. Et là, on est prêt à tirer six coups en simple ou en double action. Alors, c'est un revolver très bien conçu, un petit peu comme un Snub Nose. Il y a une poignée en caoutchouc très très bonne prise en main. Très agréable. Donc, un barillet en polymère. Des éléments de visée, alors le cran de mire est vraiment très peu creusé, mais ça permet quand même d'aligner le guidon. Que dire de plus? Bon, y a un espace, un entrefer entre le barillet et le canon quand même particulièrement important. Donc on va voir ce que ça donne au point de vue puissance. J'ai quelques réserves, ne serait-ce qu'à cause de cet entrefer. Alors là, j'ai mis le chrono, j'ai toujours la cible à 5 mètres et le chrono à 2 mètres et demi. Et on va tirer donc 6 coups dans cette cible silhouette, en prenant comme visée le centre de la cible. Ça n'a pas parti le deuxième coup. Il n'y a quasiment pas de recul. Je vais voir si ça fait vraiment du bruit. Ouais, très désagréable. Ah ouais, très désagréable. Ça fait le bruit d'une vanne de long rifle. Alors, il y a des coups qui ne sont pas partis, je ne sais pas pourquoi. Il y en a un là qui n'a pas été percuté. Bon, là, les six coups sont partis. Ça rose, hein, ça rose. 5 mètres, c'est déjà trop loin pour ce revolver, apparemment. Alors là, j'ai 160 mètres secondes. Voyons voir un peu. J'ai 150 mètres secondes de moyenne. 12 mètres secondes d'écart type, c'est beaucoup. Donc 160, 136, 154. Ah, il n'a pris que 3 sur les 6, il n'en a pris que 3. J'avais peut-être placé le chrono un petit peu trop bas. Bon, alors au niveau de la précision, bah ouais, c'est pas merveilleux, hein. En fait, j'en ai un seul qui est bien centré par rapport à mon point visé. J'en ai un en haut à gauche, un ici, un là, un ici, un là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'ai mes 6 coups, il y en a un qui est carrément hors cible. C'est pas très satisfaisant.